We're getting started, and this session it's on data triangulation. Bonsoir à tous. Nous allons commencer alors la session sur la triangulation des données. Je crois que nous sommes tous intéressés pour ce qui est de l'utilisation de ce système pour améliorer les analyses. Donc, généralement, par rapport à la triangulation des données, nous pensons vraiment qu'on a besoin d'avoir plusieurs sources de données pour vérifier et valider les résultats par rapport à nos actions. En général, nous savons tous que la triangulation apporte des valeurs ajoutées. C'est un processus complexe qui requiert beaucoup de travail. Si vous devez avoir les informations dans un seul répertoire, ça vous facilite la triangulation. Et par la triangulation, vous assurez de réduire les erreurs pour que vos données soient plus précises, les données précises, pardon, et ça évite qu'il y ait des altérations par rapport au fait d'utiliser une seule source de données. Comme résultat, vous améliorez votre efficacité parce que quand vous avez une meilleure compréhension et beaucoup de données, vous pouvez avoir des analyses plus nuancées de vos informations. La valeur ajoutée, c'est l'engagement des différents acteurs parce que dans plusieurs pays, les différents acteurs collectent également les données et mettent cela dans le système national. Cela augmente la transparence de vos actions. Mais une autre chose importante, c'est que la valeur ajoutée de la triangulation, c'est le fait d'être fiable, valide. Cela vous aide à avoir une meilleure vue d'ensemble et que cela vous aide à une meilleure prise de décision par rapport au programme que vous soutenez. Également, par rapport au système, au programme de santé, il y a plusieurs types de triangulation parce que vous pouvez, par exemple, avoir les résultats du programme pour différents groupes ou sous-groupes d'âge, comparer ce qui s'est passé l'année passée par rapport à l'année en cours. Vous aurez peut-être envie de faire des différences par rapport à ce qui se produit à des moments donnés. Et également, c'est très important de comparer les données de plusieurs types de services et trianguler les données par rapport à vos informations de routine que vous avez, par exemple, la couverture ou tout type de résultats des activités que vous avez entrepris par rapport aux établissements de santé et aux communautés. Également, vous pouvez également voir faire la triangulation par rapport aux résultats des programmes dans différentes zones géographiques. Vous partez voir s'il y a des zones géographiques qui pourraient donner des résultats différents. Maintenant, l'autre type de triangulation que pouvez faire sont divers et variés, comme vous pouvez voir à l'écran. Vous pouvez faire triangulation par rapport à la surveillance, par rapport aux données de vaccination, mais il y a tellement d'exemples. Et aujourd'hui, les présentateurs vont nous en parler par rapport à l'entomologie et le contrôle des vecteurs. Pour ce qui est des données de surveillance, vous avez envie de trianguler votre donnée administrative avec votre donnée d'enquête. C'est important de valider également votre estimation géographique et les recensements, puis les informations que vous avez des communautés. Tous ces trois-là peuvent être triangulés, comme vous pouvez voir en bas à droite sur l'écran. Évidemment, vous pouvez faire la triangulation entre les informations que vous avez de vos sites et vos informations que vous obtenez des système d'information de santé communautaire, c'est-à-dire les triangulaires d'informations au niveau communautaire et au niveau des établissements sanitaires. Cela est très, très important lorsqu'on parle de surveillance et de API. Donc, voilà les exemples à l'écran, mais il y a des exemples, il y a des possibilités infinies. Ça dépend des données que vous avez dans votre répertoire national.
Voici, par exemple, les données que nous avons tous les jours. Ici, nous sommes en train de voir la couverture BCG. Vous voyez les petits points et des informations qu'on a pris au niveau des communautés. Et nous avons également les informations qu'on a prises au niveau des établissements sanitaires. Parfois, c'est la même information, parfois, ce n'est pas la même. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que c'est vrai ou pas si on n'a jamais essayé de trianguler les informations qu'on a? La même chose s'applique avec l'EPI et le SMIR. Ici, vous avez votre couverture par rapport au MR numéro 1 et aux autres variables. Vous voyez la couverture qui est faible d'un côté, de l'autre côté, il n'y a pas de couverture aussi élevée. Donc, vous devez mettre ces données tous ensemble pour pouvoir comprendre parce que on voit que quand c'est élevé, il y a peut-être des enfants dans certaines zones qui auraient pu être plus exposés. Donc, il y a beaucoup de triangulation qu'on doit faire pour pouvoir avoir plusieurs types d'interprétation des données. Donc, je ne vais pas perdre encore plus de temps parce que nous avons quatre exposés très intéressants qui nous montrent des cas d'utilisation. Les deux premiers nous parlent de la triangulation des données et de la vaccination. C'est pour donner deux cas d'utilisation du Rwanda. Il y a pour le premier, le deuxième, c'est Vincent Omondi qui va nous parler de l'expérience du Kenya et des opportunités manquées. Et il y a deux autres cas d'utilisation par rapport à la surveillance et le contrôle des vecteurs. Premièrement, ça parle de la manière dont on a fait une micro-stratification dans la plateforme DHS2. Le deuxième parle du contrôle de vecteurs au Pakistan, c'est-à-dire le quatrième. Normalement, c'est Inès qui devait présenter. Donc, c'est Samuel qui est coordinateur de centre de triangulation DHIS2 dans le pays qui va nous faire la présentation finalement. Hi Victoria, hi everyone. Bonjour Victoria, bonjour à tous. On vous entend très bien, est-ce que vous pouvez partager l'écran? Ok, c'est compris, je vais le faire. Right. Thank you so much. Donc, maintenant, nous allons débuter. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être là pour partager le travail sur la triangulation des données DHS2 pour la vaccination et les maladies évitables par vaccination. On va échanger avec vous la feuille de route pour l'implémentation et les premiers résultats. Je m'appelle Samuel Rwanganira. Je suis coordinateur de programme du DHS du Rwanda. Voici un peu notre sommaire. Et pour commencer, je vais dire que les données de santé publique de haute qualité sont essentielles pour une prise de décision opportune et éclairée. Et également au Rwanda, nous avons plusieurs systèmes électroniques d'information sanitaire dans le pays, surtout dans les programmes de vaccination et de surveillance dans le DHS2. Donc, il y a des difficultés par rapport à l'utilisation de ces systèmes pour pouvoir prendre des décisions. Et il y a de nouvelles méthodes qui sont nécessaires pour intégrer les systèmes et résumer les données de manière critique. C'est pour cela que nous avons conçu un tableau de bord de triangulation des données du DHS2 avec pour objectif de synthétiser et automatiser les indicateurs de surveillance des maladies évitables par vaccination et de vaccination systématique pour identifier les programmes de qualité des données et les lacunes dans les performances des programmes afin d'orienter l'action programmatique et illustrer un peu plus ce que je suis en train de dire, c'est que le système qui est utilisé au Rwanda, pardonnez-moi, c'est un système intégré d'information qui
prend en compte des données agrégées, des données des individus pour ce qui est des enregistrements civils, les naissances, etc. Il y a également le système de gestion logistique. Et vous imaginez que dans les districts, il y en a 56 hôpitaux sans centre de santé qui utilisent les différents systèmes pour pouvoir faire le rapport des indicateurs à des fréquences diverses et variées, que ce soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou trimestriel. Cela apporte tellement de données qui ne sont pas du tout faciles à analyser, à résumer et à donner un meilleur aperçu. Alors, pour résoudre le problème, nous avons opté pour la triangulation des données comme solution et notre approche nous a donné plus de temps et d'opportunités pour échanger et entreprendre des actions pour décomplexifier les données. Alors, nous avons utilisé l'orientation mondiale pour ce qui est de la triangulation des données. C'est le guide qui existe pour pouvoir identifier les lacunes que nous avons. Par exemple, je peux dire que la couverture de la vaccination peut paraître très élevée, mais la survenance de maladies peut être également élevée. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de trianguler les données afin d'identifier les lacunes que nous avons pour, au niveau de la couverture vaccinale. Pour commencer, nous avons développé une feuille de route des activités avec des délais bien définis par rapport au développement des tableaux de bord et l'implémentation. La première activité développée, c'est la cartographie des données qui avait pour but d'identifier des éléments de données, des cartes, les métadonnées également dans le système. Alors, la prochaine activité identifiée, c'est le module d'intégration. On a développé notre module d'intégration qui a beaucoup aidé parce que c'est un système qui aide à échanger, à communiquer par rapport aux données pour que le tableau de bord puisse être optimal. L'autre activité que nous avons mise en place, c'est la personnalisation et la visualisation des indicateurs. Nous avons personnalisé nos indicateurs dans le système et nous avons intégré la visualisation des tableaux de bord au niveau national et infranational. Alors, voici un peu l'image de l'architecture du module d'intégration. Vous voyez au milieu le système de base pour s'assurer que l'intégration puisse faciliter la communication entre les différentes plateformes pour que les données puissent être facilement accédées. Ce qui est de nos résultats, voici la liste des indicateurs que nous avons développé pour la rougeole, le tétanos néonatal et le HPV. Ces indicateurs en matière de lacunes pour ce qui est de l'immunité peuvent être regroupés dans ces différentes catégories. Donc, nous avons essayé de prioriser les uns et les autres. Et ces indicateurs nous ont aidés à évaluer le statut de vaccination, la couverture vaccinale. Nous l'avons fait par groupe d'âge, par délai et par moment de vaccination et par cartographie. Donc, nous avons essayé de mesurer les taux d'abandon MR1 à MR2, POL1 à POL2 et
DPT1 à DPT3. Il y a eu des évaluations de la dose 0 et des taux de sous-vaccination. Par rapport à la performance du programme, nous avons essayé de prendre des indicateurs nous aidant à évaluer l'accès et l'utilisation des services de vaccination. Et ici, nous avons essayé de faire une comparaison entre la couverture et les taux d'abandon. Également, nous avons eu des indicateurs qui nous ont aidés à identifier les problèmes de qualité ou de divergence des données dans le domaine de la surveillance et de la vaccination. Nous avons essayé de comparer les cas de suspects de rougeole dans les différents systèmes. L'autre indicateur, c'est la surveillance, la performance du système de surveillance pour pouvoir détecter les rougeoles dans les différentes régions géographiques. Et également, il y a des indicateurs qui sont associés à des résultats de laboratoire. Nous avons également d'autres indicateurs comme la détection de la rougeole dans l'identification de la source de transmission, pour voir si c'est endémique ou épidémique. Nous avons également essayé de déterminer les foyers de rougeole confirmés dans les districts et faire une enquête sur les cas suspects. Maintenant, il y a la visualisation du tableau de bord que nous avons essayé d'illustrer ici. Et par exemple, nous voyons à la gauche l'indicateur pour les cas confirmés de rougeole selon l'âge et à différents moments pour ce qui est de leur âge également. Ça a été pris en compte dans notre système. On a essayé de l'améliorer. Je peux dire que le tableau de bord est maintenant développé et il est examiné. On a des retours d'informations. Ça est là. Et notre équipe technique nous soutient pour que le tableau de bord soit finalisé. L'autre type d'indicateur que vous voyez ici à gauche, nous avons essayé de comparer la couverture et les doses par an et par région. Et à droite, on a montré ce que nous voulons répliquer. Les choses à améliorer par rapport à la visualisation également ont été prises en compte. Pour ce qui est de la performance du programme, nous allons voir à gauche le guide mondial qui nous disent les variables à prendre en compte que vous voyez affichées en bas, et nous avons tout fait pour répliquer cela dans notre système. La même chose s'applique sur la capture à droite de l'image. Nous avons essayé de répliquer les orientations dans notre système. Je veux dire que nous avons utilisé les données que nous obtenons quotidiennement et je crois que ça nous donne des indicateurs clés. Il est vrai que nous avons connu des défis que je qualifierais de mineurs. Premièrement, c'est sur la précision des données. Pour ce qui est de l'utilisation du registre civil, nous avons opté pour son utilisation pour prendre des données, mais c'est vrai que la précision des données n'était pas optimale. Donc, on utilise les données du recensement qui donnent des projections et nous espérons qu'à l'avenir, on pourra utiliser les données du CRVS. La même chose s'applique
pour l'autre système qui est le système électronique d'information sur la gestion logistique et nous espérons pouvoir améliorer également la qualité des données sur la base des indicateurs qui sont disponibles dans le programme pour les utilisateurs. À l'heure où nous parlons, nous ne pouvons pas dire que nous pouvons choisir une seule variable. Pour conclure, nous allons dire que nous avons réussi à finaliser le tableau de bord et nous avons pu intégrer les systèmes et c'est une étape très importante. Nous espérons que nous pourrons, que lorsque le tableau de bord sera finalisé, on pourra faire de grands progrès pour ce qui est du suivi de la prise de décision. Donc, nous avons un programme au niveau des districts. Donc, je vais dire qu'une autre chose que nous avons réussi à faire, c'est de rassembler les différents acteurs pour échanger sur la question et c'était une étape importante également. Par exemple, le programme de surveillance et de vaccination, le RISP, l'OMS et les autres acteurs nous ont beaucoup aidés. C'est un grand accomplissement. Également, nous avons réussi à identifier les lacunes et cela nous aide à pouvoir les résorber efficacement. Également, à l'avenir, nous espérons qu'on peut avoir un impact sur les différentes variables et également augmenter l'efficacité pour ce qui est de la gestion et de la surveillance. Également, nous voulons améliorer la couverture parce que cela apporte beaucoup d'avantages à tout un chacun. Pour ce qui est de nos perspectives, nous voulons former le personnel national et le personnel de district à l'utilisation du tableau de bord. Et après cela, nous allons nous concentrer sur le suivi de l'utilisation du tableau de bord, documenter les enseignements tirés et soutenir la coordination, la collaboration, la formation des utilisateurs finaux, l'utilisation, puis l'impact. On veut s'assurer que nous puissions tous travailler de concert pour avoir un grand impact. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est une photo de nous lors d'un atelier. Donc, merci à tous. Vous avez vu à l'écran les personnes que j'aimerais remercier et les entités que j'aimerais remercier. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Samuel. Moi-même, la dernière fois que j'étais à Kigali, j'ai vu le nombre de travail que vous avez abattu et je suis sûr que vous pouvez mettre en place les données CRVS très bientôt. Je vous remercie une fois encore. Vous pouvez arrêter le partage d'écran parce que maintenant, nous allons avoir un autre orateur pour cette session. Il y a une seule personne dans la salle. Les autres sont en ligne parce qu'ils ont eu des problèmes, parce qu'ils ont eu des programmes de visa. Nous passons la parole maintenant à Vincent Omondi qui est également en ligne pour qu'il puisse faire sa présentation aussi. Vous pouvez partager votre écran et activer votre micro, cela serait bien. Merci beaucoup, Victoria. Je vous salue tous. C'est un honneur d'être là. Permettez-moi de partager directement mon écran. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous, selon là où vous vous trouvez. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter nos résultats au Kenya par rapport au fait de tirer parti de l'HISE pour renforcer les systèmes de santé et améliorer la vaccination au Kenya. Donc, c'est un honneur d'être là pour partager les idées qui ont conduit à l'adoption de la stratégie S2V.
Donc, je suis Vincent Omondi, je viens du Kenya. C'est un honneur d'être là. Je vais commencer à vous donner un contexte. Je veux dire qu'au Kenya, en 2019, le gouvernement a lancé la vaccination du HPV et on ciblait les filles de 10 à 14 ans. De multiples stratégies ont été employées pour accélérer et maintenir la vaccination. Et la vaccination dans les établissements de santé est la principale stratégie soutenue par des campagnes de sensibilisation dans les écoles. Cependant, les approches basées sur les écoles ont été l'approche dominante au niveau infranational malgré les contraintes financières. Notre cible au Kenya, c'est 3,1 millions de filles et à la fin de 2022, notre taux de vaccination est de 63% avec un taux d'achèvement de 32%. Les résultats varient considérablement d'un pays à l'autre. Durant l'initiation, le gouvernement s'était occupé de 70% de la vaccination seule dans les établissements de santé avec une couverture de 13% qui a été atteinte à la fin de l'année 2021. Aucune campagne de sensibilisation à les écoles n'a été menée pendant cette période. Nous avions toujours des contraintes financières, surtout lorsqu'il s'agit des filles dans les écoles, parce que plusieurs parents sont réticents par rapport à la vaccination des filles. D'autres défis que nous avons par rapport à la vaccination HPV au Kenya, c'est qu'il y a eu des contraintes pour la sensibilisation des différentes parties prenantes et au fait que on a peu de visites dans les établissements sanitaires. Donc, ce n'est pas toutes les filles de 10 à 14 ans qui partent dans les établissements sanitaires. Donc, on devait partir dans les écoles pour pouvoir voir les personnes éligibles. Donc, c'est pour cela qu'il y a eu un taux très bas. On a fait une triangulation pour voir les personnes à vacciner. Donc, on a essayé de jeter un coup d'œil aux analyses. On a pris en compte les différents établissements sanitaires pour pouvoir procéder au vaccin, à la vaccination, pardon. Donc, par rapport à la triangulation, notre objectif, c'est d'utiliser la plateforme de DHIS2 pour examiner la fréquence des visites des filles âgées de 10 à 14 ans dans les établissements de santé pour des services essentiels et évaluer la possibilité d'amélioration de la vaccination contre le papillomavirus au cours de ces visites. Pour la méthodologie, nous avons utilisé des données sur la plateforme de DHIS2 et les éléments de données utilisés étaient au niveau des ministères de la Santé 710 et le ministère de la Santé 515 sur les 5 ans et faire la triangulation de la population cible à l'aide du KNBS 2019. Donc pour la comparaison de ces résultats, nous avons procédé à une triangulation des données, analysé la fréquence des visites dans les établissements de santé pour les filles âgées de 10 à 15, 14 ans et nous avons pris des données auprès du ministère de la Santé. Maintenant, il y a eu des étapes et premièrement, on devait collecter des éléments de données du DHIS2. Donc, nous avons pris pris le MOH 710, MOH 204 pour ce qui est des données. Également, le DHIS2 a été utilisé pour pouvoir trianguler les données à partir du KNBS 2019. Par rapport à la triangulation, nous avons essayé de jeter un coup d'œil à l'approximation du nombre total de visites dans l'année. Notre objectif était de pouvoir prendre le maximum de personnes
qui ont visité les hôpitaux en compte. Vous pouvez voir sur les diapos qu'on a expérimenté plusieurs de visites et une seule personne peut effectuer plusieurs visites. Donc, on a essayé de pouvoir les cartographier. Ensuite, il y a eu une analyse descriptive. Nous avons exploré le nombre total de visites au niveau national et infranational. Nous avons cartographié et quantifié les opportunités manquées avant de prendre des décisions fondées sur les données. Par rapport aux résultats, le premier graphique montre notre objectif, la cible, c'est un peu plus de 3 millions et nous avions l'intention de vacciner 90% de cette population en 2021. Par rapport aux visites enregistrées dans le DHGS2, un peu plus de 4,7 millions de filles ont visité les centres de santé. Et comme j'ai dit, une personne peut visiter les centres de santé plus d'une fois. Et une personne peut visiter plus de deux établissements de santé. On va juste enregistrer comme une visite. Donc, quand vous voyez les 4,7 millions de visites, et au pays, nous avons un peu de 13 000 établissements de santé, cela montre que nous avons environ 30 visites par mois. Si vous mettez cela par personne, par visite, nous avons environ 1,1 million de visites de filles de 10 à 14 ans et cela est ajusté par personne et par visite. Donc, de janvier à décembre 2021, nous avons pu avoir 1,1 million de visites de filles de 10 à 14 ans. Et ça, c'est ce qu'on a enregistré dans tous les établissements de santé du pays. Quand vous voyez maintenant ce qui se passe pour la première dose de cette année, on avait 879 431. Et cela prend en compte les visites dans les écoles, les visites dans les centres de santé. Donc, nous avons en fait 114 000 au total. Donc, quand on fait une comparaison de DHIS2 par rapport au nombre de visites enregistrées en 2021, on a 1,1 million et 114 000 qui ont réussi à se faire vacciner. Donc, on voit beaucoup de lacunes. Il y a plus d'un million de filles qu'on pouvait vacciner, mais qui n'ont pas été vaccinées. Donc, voilà un peu comment on a réussi à quantifier les millions de filles qui venaient dans les établissements de santé et qu'on n'a pas pu vacciner. Donc, on voit des domaines qui ont beaucoup de potentiel par rapport à la vaccination. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau national et infranational. Maintenant, par rapport aux résultats que nous avons pu en tirer, c'est que le nombre total d'occasions manquées de dépister les filles éligibles a été multiplié par 6, passant de 300 000 à 1 million après ajustement, pour les activités de sensibilisation en milieu scolaire. Donc, quand on part en dehors du centre des écoles, les chiffres se réduisent. Donc, sur les 1,2 million de filles éligibles qui se sont rendues dans un établissement de santé pour des services essentiels, un peu plus de 696 000 étaient potentiellement éligibles à la vaccination dans l'établissement de santé, mais seulement 19% ont été vaccinés. Ça veut dire qu'on a l'opportunité de pouvoir vacciner plusieurs filles, mais on n'a pas réussi à les tester avant de les vacciner. Donc, tout ceci étant pris en compte, au total, nous avons 581 000 filles qui ont raté leur vaccination, même si elles pouvaient être vaccinées.
Et ce chiffre, c'est 5 fois plus que le taux de participation national. Donc, l'intervention du dépistage a été pilotée dans 14 établissements de santé publique et a entraîné une augmentation de 49% de la vaccination contre le papillomavirus humain. Donc, par rapport à la triangulation de données, nous étions dans 14, il y a eu 14 établissements sanitaires qui ont implémenté cela dans leur programme. Et après notre évaluation, nous avons connu une augmentation dans les différents établissements de santé. Et vous pouvez voir tout cela dans les graphiques qui sont sur l'écran. Quand on prend celui qui est à droite, on voit 1,1 million de filles qui visitent et 696 000 qui sont éligibles. Et seules 114 000 filles étaient vaccinées contre le papillomavirus humain. Ça veut dire qu'on a raté le potentiel de vacciner plus de 500 000 filles qui sont venues dans les centres de santé pour d'autres activités de routine. Alors, ces résultats mettent en évidence l'ampleur des occasions manquées pour la vaccination contre le papillomavirus humain et soulignent la nécessité d'interventions ciblées pour optimiser la vaccination lors des visites dans les établissements de santé. En s'attaquant à ces occasions manquées et en maximisant le potentiel des campagnes de sensibilisation au milieu scolaire, l'objectif est d'améliorer de manière significative la couverture et l'efficacité du programme de vaccination contre le papillomavirus humain. Donc, voilà un exemple de notre outil de test qui, après avoir passé la première étape, nous l'utilisons et le gouvernement présentement est en train de mettre en place les différents matériaux à la disposition de tous les établissements de santé afin qu'ils puissent faire les tests et faire les vaccinations. Ceci n'est pas seulement pour les vaccins contre le papillomavirus humain, mais également pour le vaccin contre la COVID-19 pour aider sa population. Dans ce cas, tous les enfants qui visitent les hôpitaux ont réussi à les tester, on les identifie et quand ils sont éligibles pour les vaccinations, on les envoie au corps MTH pour être vaccinés. Donc, ceci a été piloté, testé et le gouvernement est concerné pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Comme recommandation, en tirant parti des solutions technologiques telles que DHIS2, le processus de prise de décision en matière de santé publique peut être amélioré, ce qui conduit à des interventions et à des politiques plus efficaces. Et l'exploration et l'utilisation régulière des données du DHIS2 permet de prendre des décisions éclairées et perspicaces afin d'améliorer les résultats en matière de santé publique. Également, les résultats fournissent des preuves pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de dépistage qui est combinée à d'autres approches et peut contribuer à atteindre l'objectif ambitieux de l'OMS d'éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2030 en veillant à ce que 90% des filles soient vaccinées avant l'âge de 15 ans. En mettant en œuvre ou en implémentant ces stratégies, les systèmes de santé peuvent maximiser le potentiel de visite dans les établissements de santé, exploiter les données pour des interventions ciblées et améliorer l'efficacité globale des programmes de vaccination contre le papillomavirus humain. Parmi les principaux enseignements à tirer, nous citons d'améliorer le dépistage dans les établissements de santé pour optimiser les possibilités de vaccination contre le papillomavirus humain. Utilisation des approches ciblées fondées sur les données avec des outils comme DHIS2 et améliorer le suivi et la communication des données relatives à la vaccination contre le papillomavirus humain, y compris les occasions manquées. Donc, ceci étant dit, je crois que c'est la fin de notre présentation et nous vous remercions beaucoup de votre aimable attention. Nous remercions tous les acteurs qui nous ont soutenus et nous remercions le ministère de la Santé du Kenya, Vaccine to Project, Clinton Health Access Initiative et le DHIS2. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Vincent. Vous avez de bons chiffres et cela m'intéresse énormément. Le prochain présentateur, il est là, dans la salle. C'est l'une des rares personnes qui a réussi à obtenir son visa au bon moment. Je vous présente Yamukoa.
qui est à l'université de Dar es Salaam. Okay, is it evening or afternoon? It gets confusing here, so I will say both. Good. Je ne sais pas si nous sommes dans l'après-midi ou le soir, donc on avance simplement. Je m'appelle Rajabu Mukoma, je viens de l'Université de Dar es Salaam. Au nom de mes collègues, je viens pour vous présenter l'un des travaux que nous avons effectués. Nous l'avons appelé la micro-stratification. Et pour démarrer, donc on commence par le contexte. C'est que ce travail concerne la résurgence du paludisme en dépit d'efforts considérables. Et l'OMS recommande de passer d'une approche unique à des interventions de contrôle ciblées en vue de l'élimination de cette maladie. Et on essaie de se focaliser sur la nécessité de catégoriser le niveau de risque de maladie. Par exemple, en Tanzanie, on a catégorisé les maladies en niveau très faible, faible, modéré ou élevé. Et on essaie d'orienter les stratégies selon ces catégories. Et donc, cette catégorisation était juste au niveau infranational, mais il y a eu la stratification qu'on appelle la macro-stratification pour pouvoir montrer le risque de paludisme dans les régions. Et on a utilisé les données qui sont collectés au niveau des écoles et des ménages et on collectait ces données chaque 2 à 3 ans. Ces approches avaient des manquements parce que ça prenait juste quelques petits lieux. Il y avait 100 foyers dans chaque sondage et on l'utilisait pour pouvoir informer la carte sur le risque de paludisme. Maintenant, si vous voyez l'intervalle de collecte de données, 2 ans, ça ne donne pas réellement un aperçu réel de la catégorisation dont vous avez besoin. Pour rapport au programme Tanzanie, donc on a essayé de voir comment on peut bien s'y prendre. Grâce à la plateforme de DHIS2 et les SIGS, donc on a compris que c'était une opportunité pour nous d'utiliser les données de routine qu'on collecte d'une base mensuelle pour pouvoir faire la stratification nationale du risque de paludisme et la prise de décision. Maintenant, avec l'autonomisation croissante et la gouvernance décentralisée du secteur de la santé et la reconnaissance des variations du risque de paludisme dans les petites régions, on est parti à une stratification plus granulaire que nous avons appelée la micro-stratification ou la petite stratification. Donc, dans notre pays, il y a le pays, les régions, les districts et puis les villages et les établissements sanitaires. Donc, voilà, tout ceci entre dans le niveau de stratification de l'arrondissement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut réaliser ces stratifications? Donc, j'ai dit qu'on a mis en place plusieurs seuils par rapport à ce qui peut être très faible, faible, modéré ou élevé. Mais maintenant, on a essayé d'établir un processus par rapport aux données de HMIS ou du SIGS pour pouvoir voir les différentes catégories. Maintenant, sur la base de DHIS2 et en collaboration avec le NMCP, on a travaillé sur la numérisation de la cartographie des risques de micro-stratification en concevant un processus automatisé qui pourrait aider à créer les différentes catégories. Donc, par rapport à ce qui a été fait, on a essayé de protéger les données du SIGS. On a essayé de les nettoyer pour avoir des données assez sûres et fiables. Et on a également généré des scores ou des strates
pour les indicateurs sélectionnés pour la micro-planification. Également, et on a généré des cartes de risque dans le système d'information de gestion composite. Et ça, c'est pour que le gouvernement puisse l'utiliser durant la micro-planification. Et l'autre résultat, c'est le suivi. Donc, c'est pour voir comment est-ce que les risques sont en train de changer selon les années. Donc, pour la planification, c'est chaque 3 ans, mais pour le suivi, c'est chaque année. Alors, par rapport à ce processus, c'est l'identification de différents indicateurs pour la stratification. Donc, pour le début, il y a l'identification des indicateurs. On fixe des critères avant l'intégration, on enlève les doublons, les éléments manquants, on les ajoute, on vérifie l'exhaustivité des rapports, la cohérence, on s'assure que les données utilisées sont assez peaufinées. Ensuite, pour ces données qui n'ont pas l'air assez constantes, on les renvoie au NMCP pour vérification. Maintenant, un deuxième point par rapport à ces stratifications, le processus, c'est la cartographie des centres de santé et on utilise le registre qui est disponible au niveau des établissements de santé parce que le SIX n'a pas ces listes-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des données qui viennent de des recensements et il y a également une base de données sur le paludisme qui prend en compte les sondages et les recensements par rapport au paludisme. Et tout ceci est utilisé avant que nous partions à la méthodologie de micro-stratification qui est automatisée. Donc, nous utilisons les données qu'on a recueillies des SIX, des établissements de santé et également au niveau des composites. Donc, le résultat par rapport au processus, c'est que il y a les risques de micro-stratification et on envoie les documents à un autre système après avoir pris les informations complémentaires du profil du conseil et l'outil, c'est Microplan qui est intégré à PlanRep, qui est un système également. Donc, par rapport à ce que j'ai dit, voici les critères pour les traitements des données. Donc, on a utilisé les données du laboratoire et des soins NATO sur une base mensuelle. On voit également les rapports manquants et on prend en compte les différents établissements sanitaires et puis ceux qui effectuent les tests sont retenus. Nous vérifions la cohérence et les données incohérentes sont supprimées et les indicateurs de paludisme sont ensuite calculés par année, on vérifie l'index qui prend en compte la population et le taux de cas positifs. Par rapport à la cartographie, je l'ai dit, que les établissements de santé qui sont pris en compte dans les circonscriptions respectives sur une base de données composite. Par rapport aux méthodologies de micro-stratification, il y a une mise en œuvre dans le cadre du CMIS et on peut voir si c'est un cas très faible, faible, modéré ou élevé. Maintenant, par rapport à l'attribution des notes, voici un peu ce que nous faisons, c'est sur la base des critères de très faible, faible, modéré, élevé qu'on attribue des notes. Après ceci, ce que je vais dire, c'est que nous utilisons les critères pour mettre en place des différentes strat pour pouvoir calculer les différentes strates
par rapport à ce que nous voyons dans le tableau ou la carte de stratification. Par rapport à nos réalisations, c'est que le module de stratification des quartiers a été personnalisé et déployé dans le CMIS pour fournir aux utilisateurs des données que le SIX n'a pas, et ce rapport est envoyé à PlanRep, comme je l'ai dit plus tôt, pour la planification. Donc, voici nos relations. On a essayé de personnaliser ceci parce que c'est un outil automatique. Chaque année, ça donne les strates et leurs données pour pouvoir informer sur la planification. Par rapport aux travaux futurs, c'est que on va essayer de faire l'intégration avec PlanRep et DHIS2 parce que pour le moment, le travail est fait dans PlanRep à part et à DHIS2 à part. On va essayer de permettre le partage automatisé des cas de risque et également l'intégration des registres des établissements de santé pour tenir à jour les établissements et les services. Maintenant, il y a des quartiers qui sont dépourvus centres de santé. Donc, on ne peut pas avoir des données sans avoir des établissements sanitaires dans certaines zones. Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'on va s'en sortir. Donc, le premier moyen, c'est d'utiliser des strates de quartiers proches pour pouvoir avoir des informations sur un autre quartier, ou bien on va faire la modélisation géospatiale. Donc, voilà un peu ce que nous avons prévu faire à l'avenir pour les quartiers qui n'ont pas d'établissement sanitaire. Donc, pour terminer, je félicite mes collègues de l'Université de Dar es Salaam, ceux qui sont également du gouvernement, précisément les personnes du NMCP. Donc, merci beaucoup. Asante Sahana. Thank you very much. I also get very excited with maps. So I mean, I'm very, very easily excitable, in all fairness. Je suis très intéressé par les cartes. Alors, c'était fascinant. Le prochain présentateur, c'est un conseiller dans le domaine de la santé. Dans le renforcement des capacités pour les ressources humaines, et il va faire la présentation en ligne. Bon après-midi, il est tard au Pakistan. Je m'appelle Dr Sayed Wasif, je travaille en tant que conseiller ici au Pakistan, dans le domaine de la santé, avec UKHSI. Dans les prochaines minutes, je vais vous faire une présentation sur l'introduction du système DHSS2 pour renforcer la surveillance du vecteur de la dengue dans la province KP au Pakistan en 2022. La surveillance de vecteurs, c'est vraiment un processus systématique, continuel. Je ne sais pas si tu peux nous faire cette présentation en mode présentation, c'est-à-dire tu changes de mode pour que nous puissions voir. Parfait, maintenant c'est mieux. Alors, la surveillance du vecteur, c'est un processus continué de collecte, d'analyse et d'interprétation, sans oublier la dissémination des données pour guider les activités de riposte. Alors, les raisons pour mettre en place cette surveillance de vecteur, c'est établir la présence du vecteur, déterminer les sites, trouver les moustiques, suivre de près les zones à haut risque, c'était la population du vecteur. Et ça nous aide également à évaluer l'efficacité des différentes activités de contrôle de vecteur. Et je vais vous donner une idée sur le Pakistan.
La première maladie de la dengue a été signalée dans les années 1970. Donc, il y a eu beaucoup de crises dans différentes régions du Pakistan. Aujourd'hui, en 2023, le risque est très élevé à cause de l'environnement favorable au vecteur de la dengue. Vous devez avoir une idée sur les problèmes catastrophiques dus au changement climatique. Ça a augmenté le risque, surtout avec les régions qui étaient frappées par les inondations. Vous devez savoir que le Pakistan, c'est le cinquième pays le plus vulnérable au changement climatique. Il y a eu des cyclones dans certaines provinces et le risque de la dengue sera très élevé dans ces endroits. Il y a la province du Nord-Est, là où nous avons établi le système. C'est une province qui est connue sous le nom de KP. C'est une province qui fait souvent face à des troubles sécuritaires. Et puis, il y a une province, cette province a fait face à une épidémie de la dengue. Il y a eu beaucoup de cas qui ont été signalés dans la même province de KP. Mais avant l'épidémie de la dengue de 2017, il y avait un programme intégré de gestion du vecteur de la dengue. On s'était focalisé sur le paludisme. Les méthodes de surveillance du vecteur se basent sur les pièges ovi larvés et aussi à la collecte des moustiques. Vous avez une idée sur le fait que le Pakistan, c'est un pays avec des ressources limitées en matière technique, en matière de fonds. Les stratégies et les activités avec le programme, il y a trois phases. Il y a d'abord la phase préparatoire avec la mobilisation des équipes d'enquête sur le vecteur. Et puis, il fallait aussi coordonner les autorités locales avec les données collectées sur le terrain. Le programme pouvait calculer les indices du vecteur. Ces indices, vous savez, le programme calculé par le programme caractérise le risque. Si le risque est bas, si le risque est moyen ou si le risque est élevé selon les régions. Pour vous donner un peu de contexte, il y a le UK Health Strategy Agency a travaillé avec d'autres partenaires pour pouvoir renforcer la surveillance des maladies en implémentant, en intégrant un système de surveillance et de riposte des maladies, en se focalisant sur trois piliers. Voilà un aperçu des cas de la fièvre de la dengue qui ont été signalés. Et vous pouvez avoir toutes les informations. Et c'était la première fois que DHS2 est un système de surveillance de maladies digitalisées avait été établi en Pakistan. Le programme avait du mal avec des ressources
techniques et logistiques pour atteindre les indicateurs du programme qui incluait la digitalisation des systèmes de surveillance. Vous pouvez voir, après avoir mis en place le système de surveillance de la dengue, il y a eu ce programme de digitalisation de la surveillance du vecteur, surtout avec des HS2. Ce que vous voyez au niveau des écrans, c'est le flux de collecte de données qui commence au niveau communautaire. Il y a des équipes qui visitent les ménages dans les zones rurales, mais aussi les sites de moustiques, des conteneurs à haut risque où il peut y avoir beaucoup de moustiques. Et puis, les réponses sont enregistrées sur une fiche, laquelle fiche est envoyée sur DHS2. Elle est en temps réel. Donc, les districts peuvent accéder à ces données. Alors, en même moment, les données sont visibles au niveau provincial et au niveau des districts. Et puis, il y a l'analyse des données. Et en utilisant les analyses de DHS2. Et puis, les informations sont interprétées et partagées avec les acteurs du secteur pour éclairer la prise de décision et aussi guider les activités de riposte en se basant sur les données collectées par les équipes. Et le processus de collecte de données se fait chaque semaine. Donc, nous pouvons aussi relever le niveau en collectant les données quotidiennement s'il y a une crise. Donc, voilà le résultat des HS2. Vous pouvez voir les ripostes contre différentes variables. C'est un tableau qui vous donne un aperçu de ce qui a été fait, le nombre de ménages, les conteneurs, les ménages où on a trouvé cette épidémie de la dengue. Le système calcule automatiquement les différents indices dont j'ai fait mention. Et puis, les gens peuvent identifier le risque de la fièvre de la dengue. Le programme savait qu'il y avait des zones qui étaient plus à risque et où il y avait beaucoup de cas. Et cela, n'est-ce pas, a guidé les efforts de riposte. Vous pouvez voir avec ce tableau, on peut voir les provinces qui sont les plus affectées. Et les données peuvent être montrées au niveau de différents districts jusqu'au niveau communautaire. Donc ici, vous voyez cette carte. C'est toute la province avec différents districts. Ces données utilisent les analyses des HS2. Et on peut changer cela en carte et donner des indices au district par rapport au vecteur de la dengue. Donc, ça aide le programme à orienter les ressources pour pouvoir intervenir plus facilement, bien sûr, grâce à ces cartes. Voilà. Notre identification. Ici, ça donne une idée sur l'évolution de la maladie. Le système vous montre également la présence des conteneurs, les plus grands conteneurs. Les données peuvent être analysées et représentées. Lorsqu'il y a cette maladie. Et puis, dans le système, nous avons ajouté le renforcement de capacités.
avec les ateliers et ça donne un aperçu au directeur, au partenaire, sur le nombre de personnes qualifiées selon les districts, combien de personnes ont été formées selon les semaines. Nous savons que l'implication de la communauté est très importante pour prévenir la maladie de la dengue. DHS2 collecte des données par rapport à l'implication des membres de la communauté. Donc, ça montre les sessions communautaires qui ont eu lieu grâce aux mobilisateurs. Et puis, on peut voir comment DHS2 a aidé le Pakistan, surtout la province KP. Alors, après la digitalisation, le programme a collecté des informations opportunes sur la présence de la maladie de la dengue, ce qui a aidé à la priorisation des endroits où il fallait intervenir. Le tableau de bord est accessible par d'autres secteurs. Donc, il y a la coordination multisectorielle, ce qui est vraiment important pour le contrôle et la prévention de la fièvre de la dengue. Donc, le système de surveillance a été mis en place en 2022, c'est récent, et la qualité des données générées par le système a aidé avec la planification, le suivi et l'évaluation. Et ça a ajouté d'autres variables au système, ce qui va aider pour combattre la fièvre de la dengue dans cette province. Donc, nous avons reçu une requête de la part des autorités pour pouvoir ajouter quelques indicateurs au système et renforcer les capacités du personnel pour pouvoir utiliser le système. J'aimerais remercier remercier les personnes que vous pouvez voir sur l'écran qui nous ont beaucoup soutenus. Voilà, je remercie aussi ceux qui ont organisé la conférence annuelle de DHS2 et qui m'ont donné l'opportunité de présenter mon travail. Et voilà, j'ai hâte de travailler avec l'université d'Oslo pour le déploiement de DHS2 afin que nous puissions nous attaquer aux questions dans différents secteurs. J'aimerais remercier ceux qui m'ont aidé avec les procédures d'obtention de visa, même si je n'ai pas pu l'obtenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que ça inspire les gens. Souvent, c'est un domaine qui est oublié dans les systèmes nationaux. Je veux dire, les questions épidémiologiques, c'est vraiment souvent oublié. Et j'espère que vous avez eu une idée par rapport à ce qui a été fait au Pakistan. Les présentateurs ont utilisé le temps qu'il fallait utiliser. Alors, voilà. J'aimerais les remercier. Je ne sais pas s'il y a des questions ou c'était assez clair. Alors, voilà, il y a une personne qui aimerait poser une question. Je suis très intéressé par. J'ai été impressionné par le travail sur la stratification. Je sais qu'en Tanzanie, ce n'est pas le ministère de la Santé qui gère l'implémentation. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, ma question, c'est par rapport à l'accès à DHS2. Est-ce que le ministère de la Santé était le premier utilisateur ou il y a des autres organisations qui peuvent vraiment accéder à DHS2? Alors, comment vous
renforcer les capacités des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur de la santé pour qu'ils puissent pouvoir utiliser ces cartes. Ma deuxième question, les indicateurs de la couverture de stratification. Je sais qu'il y a un paquet mixte et je ne sais pas si vous allez avoir des indicateurs, des cartes colorées qui montrent comment vous implémentez les interventions de stratification. Merci. Merci beaucoup. J'espère pouvoir répondre à ces questions. En Tanzanie, les implémentateurs sont au niveau national, mais ils travaillent en collaboration avec le ministère de la Santé. Les hôpitaux, c'est les hôpitaux, les hôpitaux qui sont gérés par le ministère de la Santé. Et c'est PROG qui implémente le reste. Donc, PROG et le ministère de la Santé travaillent ensemble. Les résultats de DHS2, un système qui est utilisé dans la planification, un système qui appartient à PROG. Donc, il y a une collaboration. Les utilisateurs utilisent ces données. Maintenant, pour ceux qui ne travaillent pas dans le secteur de la santé, c'est difficile pour moi de répondre à cette question, mais je sais qu'il y a des personnels de la santé qui utilisent ces données pour préparer les gens et préparer les plans. Il y a des réunions qui ont lieu et qui utilisent ces données. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Pour la deuxième question, j'ai juste montré une carte de stratification, le résultat final, mais dans le même système, il y a une visualisation, un tableau qui montre les données pour les indicateurs que j'ai soulignés. Et ça montre la manière dont ces données vont migrer vers les strates. Donc, il y a plus d'indicateurs dans les tableaux de bord. J'espère que ça répond à ta question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont en ligne. J'espère que vous n'avez plus de doutes, les doutes que vous avez avant la session par rapport à l'utilisation de DHS2. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions pour nos présentateurs, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrai m'assurer que vous rencontriez. Merci beaucoup.